Salut, c'est Siro. Aujourd'hui, on va travailler un morceau de guitare classique. Tu peux rester. Non, 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 tu peux rester, vraiment. D'autant que ce morceau, il est vraiment, vraiment sympa. Il n'est pas très compliqué. On va avoir un regard, hein, en fait, dessus. Alors, il s'agit de Waltz de Matteo Carcassi. Et en fait, il va nous permettre de travailler, en fait, la synchronisation des deux mains. Il est grosso modo en la mineur. Les positions d'accord sont pas très compliquées, hein, carrément pas. Et ensuite, on a une autre partie en la majeure. Et au niveau de la main droite, en fait, on devra travailler des positions d'arpège. Mais aussi parfois il nous faudra phraser sur une même corde. Donc là, bah, tu vas voir, hein, c'est les petites contraintes, tu verras, hein, en fait comment ça fonctionne. Et donc on y va pour Waltz de Matteo Carcassi, et comme son nom l'indique, c'est une valse, donc c'est un morceau à trois temps. Et naturellement, pour travailler ce morceau, tu trouveras la partition, hein, c'est le premier lien en description de cette vidéo, et c'est complètement gratuit. Voilà pour le morceau en entier, un tempo tranquille. Donc on part sur la mineur, hein, et on fait des arpèges avec la basse en la. Et je répète la corde de mi aiguë avec le majeur. Même principe ensuite sur mi majeur. Je place que cette note-là du mi majeur parce que je ne joue pas celle-là de toute façon, hein. Donc ça nous fait pour le départ. Ah oui, puis attention pour le départ réel du morceau, on a une petite anacrouse qui revient, hein, c'est-à-dire une petite note qui traîne avant le départ réel du morceau, c'est la corde de mi aiguë, à vide. Petite phrase là. Donc quand on a une petite phrase, il faut alterner index, majeur, index. Alors c'est pas encore réellement du picado, le picado ce serait ça. On n'a pas le temps de basculer, puis on reste dans la dynamique des arpèges, hein, c'est plus joli. Ensuite, on répète encore cette partie. Et là, on arrive dans une autre partie qui est vraiment très 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 jolie entre sol septième et do majeur. Alors ça, c'est un super exercice. Donc quand on l'a, on joue les deux basses à l'extérieur. L'arpège à l'intérieur. Là, les basses sont à l'intérieur. Et l'arpège sont sur les cordes
extérieur. Ce qui nous fait... Alors ce plan-là, il faut peut-être le faire tourner un petit peu pour vraiment le jouer proprement. C'est un très 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 joli exercice. Ensuite, on reprend, en fait, on répète encore toute la partie du début, hein, derrière cet arpège entre sol 7 et do majeur. Et la sortie, alors là, la sortie, elle est assez dynamique, hein. Doigté d'arpège pour la main droite et ici un doigt par case pour la main gauche. Oh non, ma corde de sol, je croyais que ça le faisait que sur les Les Paul. Alors ensuite on tombe sur la partie B, hein, la majeure, on va le prendre comme ça, hein, les deux doigts dans la même case. Là, je fais un petit barré pour reprendre les mêmes notes, mais c'est pour dégager le petit doigt. Je vais avoir une petite phrase à faire ici. Alors là, je la marque un peu plus en picado au niveau de la main droite. J'aime bien y ajouter un peu plus d'intensité. Ok. Attention à celui-là. On enlève le petit doigt. Mi majeur. On reprend la majeure. On se met petit barré, petite phrase. Attention à la sortie, petit barré. Je reste aussi là dans les positions d'arpège. Hein. Ça, c'est un mi-septième. Hein. Ça, renversé. Là, avec le mi, la basse mi, la note ré, le sol dièse. Hein. Et ensuite, on revient sur la partie du début. On va dire qu'il y a une partie A, la mineure, une partie B, la majeure. Et c'est juste ces deux parties qui tournent ensemble. De toute façon, tu as toute la partition dans la description de cette vidéo gratuitement. Voilà, donc c'est quand même un morceau qui est très 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 sympa, il sonne très très bien et il n'est pas très compliqué même s'il y a quand même des petites subtilités. Hein. Alors l'idée en fait de travailler ça, c'est que ça va te montrer en fait tes positions d'arpège et les petites contraintes, c'est parfois de devoir phraser sur une même corde, hein, donc là il faut l'adapter. Ça te permet d'avoir un petit morceau vraiment très joli et très sympa sur la guitare cornillon, alors il en existe des tas d'autres hein, dans le genre. Je t'en ferai d'autres propositions parfois parce que ça nous permet vraiment en fait de figer les trucs, notamment par exemple par rapport aux arpèges, puis d'avancer dans un répertoire sur un petit morceau qui vraiment est très sympa. Si tu veux aller plus loin dans la découverte de la guitare cornillon, alors avec moi ce sera plus la guitare flamenca hein, que la guitare classique. Je viens de sortir une formation entière, complète sur la guitare flamenca et tu la trouveras en lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao !